Merci. La parole est à monsieur Axel Poniatowski. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adressait à monsieur Macron. Il n'est pas là. Je vous la pose donc, monsieur le Premier ministre. L'année 2015 restera dans l'histoire de l'industrie française comme celle où trois géants de l'industrie, Lafarge, Alstom et Alcatel, seront passés sous contrôle étranger. Ce coup de tonnerre est révélateur des faiblesses de notre économie. En cause, une politique qui a considérablement dégradé la compétitivité de nos entreprises, qui n'ont plus les moyens ni d'investir, ni de reconstituer leurs fonds propres. Les dossiers industriels s'accumulent, Orange, EDF, Air France, Renault, Peugeot, Bouygues et bien d'autres. Et voilà maintenant qu'on apprend la vente par le consortium franco-allemand Airbus Group de toute son électronique de défense pour plus d'1 milliard d'euros, contrairement à la préconisation du président de l'époque, M. Louis Gallois, dans son plan Vision 2020. De plus, cette cession a été faite non pas au Français Thalès, qui était sur les rangs et qui vient de largement contribuer au succès de DCNS en Australie, comme le rappelait le ministre de la Défense, mais elle a été faite à KKR, un fonds d'investissement américain spécialisé dans l'immobilier, les finances et les chariots élévateurs. On croirait rêver, monsieur le ministre, si ce n'était tragique. Comment le ministre de l'économie n'est-il pas intervenu fermement avec son collègue allemand pour empêcher la cession d'une telle activité stratégique et à forte valeur ajoutée pour la France? Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Je regrette, monsieur le président, que monsieur Poniatowski n'ait pas écouté la réponse que j'ai apportée à cette question il y a 15 jours dans ce même hémicycle. Donc je lui conseille de retourner à cette réponse qui indiquait que concernant la partie électronique d'Airbus, la partie défense électronique, elle était de responsabilité d'activité et de localisation à dominante allemande et donc de la responsabilité du ministre fédéral de l'économie et de la défense, et que la partie française faisait l'objet d'un examen extrêmement attentif de la part des autorités françaises. Elle est très minime, elle fait l'objet d'un examen très attentif, et les décisions sur ce point ne sont pas encore prises, mais interrogez-moi dans 15 jours, je vous répondrai à nouveau. Merci, monsieur le ministre.